Bonjour, on va traiter un exercice sur les cycles numériques. L'exercice est le suivant, soit U de N, N supérieur à 2, et V de N avec N supérieur à 2, les suites définies par, ce sont des suites numériques définies par, U de N est égal à 2N plus 1, sinus P sur 2N plus 1, et V de N est égal à 2N plus 1, tangente 2N plus 1, avec N ici, quel que soit N supérieur à 2. Dans les deux cas, quel que soit n supérieur à 2. Voilà. Dans les deux cas. Bon, montrons que, on va montrer que les 18, le n et le n sont adjacents. C'est-à-dire, bon, on va montrer que l'une est croissante, l'autre est décroissante, et ils convergent vers la même limite. Bon. On a U de N moins V de N est égal à 2N plus 1 sinus de P sur 2N plus 1 moins 2N plus 1 tangente de P sur 2N plus 1. Donc il est égal 2n plus 1 sinus de P sur 2n plus 1 moins 2n plus 1 multiplié par tangente de P sur 2n plus 1 n'est rien d'autre que sinus P sur 2n plus 1 sur cosinus P sur 2n plus 1. Bon, on va factoriser par 2n plus 1 sinus P sur 2n plus 1 facteur de 1 moins 1 sur cosinus de P sur 2n plus 1. Donc il est égal supérieur ou égal à 2 est équivalent à n plus 1 supérieur ou égal à 2 plus 1 qui est supérieur à 2. N plus 1 est supérieur à 2 puissance, bon, implique, pardon, 2 puissance 2 est équivalent donc à 1 sur 2n plus 1 qui est inférieur à 1 sur 2 au carré. Bon, est équivalent, ou bien implique, on va travailler avec la direction ici, pardon, implique P sur 2n plus 1 est inférieur à P sur 2, strictement à 2 sur à 2 au carré. Cela implique que P sur 2 sinus n plus 1 est inférieur à P sur 4. Donc, bon, P sur 2n est positif, P sur 2n plus 1 est inférieur à P sur 4. Et la fonction cosinus, il est décroissante
sur l'intervalle 0 pi sur 2, donc il est des croissantes, en particulier sur l'intervalle 0 pi sur 4. Bon, cela implique que cosinus de 0 inférieur à cosinus pi sur 2 n plus 1, cela implique cosinus de 0 supérieur à cosinus de P sur 2n plus 1 supérieur à cosinus P sur 4. Donc, cosinus 0 c'est 1 supérieur à cosinus sur 2n plus 1. Cela implique. Voici le produit qui est supérieur à la racine de 2 sur 2, donc il est strictement positif. 1 sur 1 est inférieur donc à 1 sur cosinus P sur 2 n plus 1. Donc, 1 moins 1 sur cosinus P sur 2 n plus 1. Cosinus P sur 2n plus 1, cette quantité, il est négatif. Et comme ici nous avons U du n moins V du n est égal à 2n plus 1, sinus de pi sur 2n plus 1, facteur de 1 moins 1 sur cosinus pi sur 2n plus 1. Bon, sinus pi sur 2n plus 1, il est compris entre 0 et pi sur 4. Donc il est compris entre 0 et pi sur 2. Et sinus de x quand x est compris. Bon, quand x appartient à l'intervalle 0, 0 pi sur 2, c'est le contraire entre 0 et 1, et 0 pi sur 2, il est positif. Et comme p sur 2n plus 1, il est compris entre 0 et pi sur 4, alors, donc, sinus pi sur 2n plus 1, il est strictement positif. Alors, puisque cette quantité est positive et la quantité entre parenthèses est négative, alors U de n moins V de n est inférieur à 0, quel que soit n supérieur à 2, d'où U de n est inférieur à V de n, quel que soit n supérieur à 2. Donc, on va montrer que U de n est croissante et V de n, à partir de cette inégalité, on va montrer que U de n est croissante et V de n est décroissante. Donc, bon, on va calculer. Bon, on va montrer que U de n est croissante. Bon, montrant que U de n est supérieur à 2 et croissante. On a, quel que soit n supérieur à 2, U de n plus 1. Moins U de N
égal, pardon. Bon, on a, quel que soit n supérieur à 2, u du n plus a moins u du n est égal, pardon, à 2, n plus 1, sinus de pi sur 2n plus 1, plus 1, moins 2n plus 1, sinus de pi sur 2n plus 1. En effet, cette égalité est vraie, quel que soit n appartenant à n. Ah, bon, quel que soit n supérieur ou égal à 2. Bon, si n est supérieur à 2, alors n est supérieur. N plus 1 supérieur à 2, donc u de n. La formule est vraie aussi pour n est égal à n plus 1. Bon. On a. Et quoi, pardon. On a, bon, on a i, bon, sinus p sur 2n plus 1 est égal à sinus de 2 p sur 2n plus 1 multiplié par 1 demi, donc est égal à sinus de p sur 2n plus 1 multiplié par 1 demi, qui est égal à sinus de P sur 2n plus 1 plus 1, qui est égal, bon, sinus de 2x est égal à 2, sinus P sur 2n plus 1, plus 1 multiplié par cosinus de 2n plus 1 plus 1. Et comme, pardon, et comme n, bon, plus 1, pardon, plus 1, il est supérieur à 2. Bon, il est supérieur à 2 au carré. 1 plus 1, c'est 2. 2n plus 2 est supérieur à 2 puissance 2. Il est supérieur, c'est car n est supérieur ou égal à 2. Alors, 1 sur 2n plus 1, plus 1 est supérieur strictement à 0, et inférieur à 1 sur 2 au carré. Donc, 0 est inférieur 1 sur n plus 1 plus 1. Alors, p multiplié par 0 est inférieur à p sur 2n plus 1 plus 1. Donc, 0 est inférieur à P sur 2n plus 1 plus 1. Pardon. Donc, ici inférieur, inférieur à P, pardon, à P sur P sur 4. Et comme la fonction cosinus,
est décroissante sur l'intervalle 0 pi sur 2. Donc elle est toujours décroissante sur cet intervalle, sur 0 pi sur 4. Donc cosinus de 0 est supérieur à cosinus de pi sur 2n plus 1 plus 1. Donc 1 est inférieur à cosinus pi sur 2n plus 1 plus 1. Cela implique que 1 moins cosinus pi sur 2n plus 1 plus 1 est supérieur à 0. Et comme, quel que soit n appartenant, donc quel que soit n supérieur à 2, sinus de pi sur 2n plus 1 pardon, cette quantité est positive car de ce P sur 2 puissance n plus 1 plus 1 est compris entre 0 et P sur 4 qui inclut dans 0 P sur 2 où sinus est positif. Alors, U de n plus 1 moins U de n est supérieur à 0 car ici, pardon, 2, bon, il nous faut 1 plus 1 moins U de n est égal à 2 puissance n plus 1 sinus P sur 2n plus 1 plus 1 moins 2 fois sinus 2 multiplié par 2n plus 1 sinus de p sur 2n plus 1 plus 1 multiplié par 3. Sur 2n plus 1 sinus p sur 2n plus 1 plus 1 moins 2 multiplié par 2n, 2n plus 1 pardon, 2n plus 1 multiplié par 2 sinus pardon, sinus p sur 2n plus 1 cosinus pardon, cosinus P sur 2n plus 1 plus 1. Ici on va factoriser. Ici c'est 2n plus 1 plus 1. Bon, 2 multiplié par n plus 1 multiplié par 2, c'est 2 puissance n plus 1 plus 1. Donc est égal à 2 puissance n plus 1 plus 1 sinus de P sur 2n plus 1 facteur de 1 moins cosinus P sur 2n plus 1 plus 1 qui est supérieur à 0. En effet, on a sinus P sur 2n plus 1 plus 1 est positif, et 1 moins cosinus n plus 1 est positif, donc le premier du nombre positif, c'est un nombre positif. Donc, quel que soit n supérieur à 2, E de n plus 1 moins, E de n est supérieur à 0,
Cela implique que E de n plus 1 est supérieur, structurellement à EN. Alors, quel que soit n, quel que soit n supérieur à 2, donc, c'est 1, donc 0 inférieur à tangente P sur 2n plus 1, plus 1 inférieur à 1, donc on va passer au carré, la fonction qui est x associée x au carré, il est croissant sur 0, sur 0 plus infini, donc mais il y a même équivalence. Tangente au carré, P sur 2n plus 1,
plus 1 inférieur à 1 au carré qui est égal à 1. Alors, tangente carré, P sur 2n plus 1, pardon, est inférieur à 1, d'où 1 sur, pardon, donc on va calculer maintenant, on va revenir à cette équation, à cette formule. On a v de 1, v de n plus 1 moins v de n est égal à 2n plus 1 plus 1 tangente de p sur 2n plus 1 plus 1 moins, pour remplacer tangente P sur 2n plus 1 par cette écriture, donc moins 2 tangente P. Bon. Deuxième plus 1 multiplié par 2 tangente P sur 2n plus 1 plus 1 sur 1 moins tangente carré de P sur 2n plus 1 plus 1. Donc 2n plus 1 plus 1 n'est rien d'autre que 2 puissance n plus 1 multiplié par 2. Donc si 2 puissance n plus 2, donc on va factorisé par 2n, 2 puissance n, plus 1, plus 1, tangente P sur 2n plus 1, plus 1, facteur de 1 moins, bon, 1 sur tangente P sur 2n plus 1, pardon, bon, si 1 par 1, moi ici il nous reste 1 sur 1 moins tangente carré, P sur 2n plus 1, plus 1. Bon, on va réduire le multiplicateur à l'intérieur de la parenthèse, donc il nous reste 2 puissance n plus 1, plus 1 multiplié par tangente P sur 2n plus 1, plus 1, facteur de 1 moins tangente carré P, pardon, 2n 1 plus 1, moins 1 sur 1 moins tangente carré P sur 2n plus 1 plus 1. Bon, et si on va simplifier par 1, donc il est égal à 2 puissance n plus 2
sur 2n plus 2, facteur, bon, 2 moins tangente carré P sur 2n plus 2, sur 1 moins tangente carré P sur 2n plus 2. Bon, qui est égal donc à moins 2 n plus 2 tangente de P sur 2n plus 2 facteur de tangente P sur 2n plus 2 sur 1 moins tangente P sur 2n plus 2. On a tangente P sur 2n plus 2, elle est strictement positive. Donc ce carré est strictement positif, 1 moins tangente carré. Bon. Ici, fa donc. Ici. Bon, V de N plus 1, moins V de N, bon, on a. Et c'est comme tangente, bon, cette écriture implique que 1 moins tangente P sur 2N plus 2 est positive. Donc, bon, cette quantité est positive, celle-ci est positive, l'autre est positive, donc, moins. Donc un nombre positif, son opposé est négatif. Donc cette quantité est négative. Donc V de N plus 1 moins V de N est inférieur à 0, qu'il soit N supérieur à 2. Donc V de N plus 1 est inférieur à V de N, qu'il soit N supérieur à 2. Alors V de N et décroissante. Elle est décroissante. Donc il nous reste, maintenant on va montrer, pour achever cet exercice, on va montrer, montrant donc, pardon. Montrant que limite de V de N moins U de N, lorsqu'on tend vers plus infini est égal à 0. Bon, on a déjà montré que V du N moins U du N est égal à 2. Bon, à 2, sinus pi sur 2N plus 1, 2N pardon. Sinus P sur 2N plus 1, facteur de 1 moins cosinus P sur 2N plus 1.
Bon, que l'on peut écrire sur la forme. De π multiplié par sinus π sur 2n plus 1, le tout sur π sur 2n plus 1. Facteur de 1 moins cosinus π sur 2n plus 1. Bon, donc, limite de v de n moins u de n. Lorsqu'on tend vers plus infini, il est égal à la limite, bon, de π sinus π sur 2n plus 1, le tout sur π sur 2n plus 1, multiplié par 1 moins cosinus π sur 2n plus 1. Quand n tend vers plus infini, qui est égal donc à π limite du sinus de π sur 2n plus 1 sur π sur 2n plus 1 quand n tend vers plus infini, facteur de 1 moins limite de cosinus de π sur 2n plus 1 lorsque n tend vers plus infini. Bon, quand n tend vers plus infini, de π sur 2n plus 1, il tend vers 0, car 2 puissance n tend vers plus infini. Bon, donc, sinus de t sur t tend vers 1, donc cette fois t tend vers 1, limite de cosinus de π sur 2n plus 1 est égale à la limite de cosinus, est égale à cosinus de limite de π sur 2n plus 1 qui tend vers 0. Cosinus de 0 sur 1, c'est 1, donc 1 moins 1, c'est 0, donc est égal à P multiplié par 1 facteur de 1 moins 1, qui est égal à P multiplié par 0, qui est égal à 0. Donc, la limite de la différence est égale à 0. Plus infini est égal à 0. Bon, donc v de limite, donc les suites v de n et v de n sont adjacentes. Donc, ils ont une limite commune. Une limite commune. Voilà pour cet exercice. Merci pour votre attention. À la prochaine.